la 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 sur sa tête ayant un beau tollé bien posé sur un coussinet. Prétendez d'arriver sans encombre à la ville. Légère et convêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employer l'argent, acheter un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il n'est facile d'élever des poulets autour de la maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de sang. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre à notre étable, vu le prix dont il est. Une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Pérelle, là-dessus, saute aussi, transportée. Pleurez tombe. Adieu, veau. Vache. Cochon. Couvert. La dame de ses biens qui tend d'un œil mari. Sa fortune ainsi répandue. Va s'excuser à son mari. En grand danger d'être battu. Le récit enfin s'en fut fait. On l'appela. Le retourner. La cigale ayant chanté, la 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 la, la cigale ayant chanté, chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu, la 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 la, se trouva fort dépourvu, quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier « Famine !» J'ai la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Et pendant ce temps-là, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Mais revenons à notre fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Ah, vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Un homme vit une couleur. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper, et pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'homme lui fit cette harangue. Symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot. Meurs donc,
Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-le. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'homme, il recula d'un pas, enfin il repartit. Tes raisons sont frivoles, je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Une vache était là, dont l'appel, elle vient. Le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mêmes pleines. Même, j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée. Enfin, me voilà vieille. Il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attachée. Et si j'eusse eu pour mettre un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent. Faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit. Du labeur des ans, pour vous seul, je portais les soins les plus pesants. Parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant vers moi, ramenait dans vos plaines ce que Cérès vous donne et vend aux animaux. Cette suite de travaux avait de tous, tant que vous êtes, fort secours, peu de gré. Et puis, quand j'étais vieux, on croyait m'honorer chaque fois que les hommes achetaient de mon sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit. Faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots. Et vient ici se faire au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Je servais de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour vous seul, j'ornais les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien que je sus faire. Je courbais sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, je vous donne ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne. L'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne m'émondait-on sans prendre la cognée,
de mon tempérament, j'eusse encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon d'écouter ces gens-là, du sac et du serpent, aussitôt il donna contre les murs. Tant qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loi. Ou bien se taire. La scène se passe à la campagne, près d'une ferme. Un loup apparaît. Il marche péniblement et regarde de tous côtés. Je meurs de faim. Je n'ai pas mangé depuis plusieurs jours. Tiens, on dirait un chien qui s'approche. Je l'attaquerai bien, mais il est gros et fort. Voyons quand même. Bonjour, monsieur le chien. Je me disais en vous apercevant, voilà un chien d'une superbe allure, grand et fort. Vous êtes sans doute admirablement traité et surtout très bien nourri chez votre maître. En effet, messire, je vous vois au contraire bien maigre et déprimé, mais il ne tient qu'à vous de vous refaire une santé. Quittez les bois. Suivez-moi chez mes maîtres. Mais comment faudra-t-il faire? Presque rien. Chassez les rôdeurs, les intrus. Être aimable et affectueux avec les enfants. Et vous aurez viande, os de poulet et bonne soupe chaude tous les jours. Viande, os de poulet, j'en ai l'eau à la bouche, j'en pleure de joie à l'avance. C'est décidé, je vous suis. Mais dites-moi, monsieur le chien, qu'avez-vous là? Quoi donc? Cette marque autour de votre cou. Ce n'est rien. Mais encore. La corde dont je suis attachée est peut-être la cause. Attachée? Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours. Mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fautin.
été pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière. Le pauvre carpillon lui dit à sa manière. Et que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi, carpe, te venir. Je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous en faut peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat! Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille? Eh bien, soit. Poisson, mon bel ami qui fête le pêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on. Mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Prodina, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu aussi en un certain auteur que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui. La mort aux rats. Les souricières n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort. Et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage et gratigné quelqu'un, causer quelques dommages. Enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, unanimement, se promettent de rire à son enterrement. Mettent le nez en l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur trois rats. Puis ressortant, font quatre pas. Puis enfin, se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gouvant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas. Je vous en avertis. Vous viendrez tout au logis. Il prophétisait vrai. Notre maître Mitis, pour la seconde fois, les trompe et les affine. Blanchisse sa robe et sans farine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. L'agent trotte-menu s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstint d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour. Même, il avait perdu sa queue à la bataille. Ce chef enfariné ne me dit rien qui vaille. Et je soupçonne encore dessous quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté. Et savait que la méfiance est mère de la sûreté.
gaiement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était encore en sportif, bien aiguement empaqueté. Et vêtu d'une robe, hélas, qu'on appelle bière. Robe d'hiver. Robe d'été. Que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons. Et des psaumes, et des leçons, et des versets, et des réponses. Monsieur le mort, laissez-nous faire. Vous en aurez de toutes les façons. Il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouard couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor. Et des regards semblaient lui dire « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en notre menu coup. » Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces assez proprettes et sa chambrière paquette devaient avoir des coutillons. Sur cette agréable pensée, un heure survient. Adieu le chat. Voilà messire Jean Chouard qui du choc de son mort a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement toute notre vie est le curé Chouard qui sur son mort comptait et la fable du potolet.